Salut les amigos, aujourd'hui nous sommes au bord de l'Orblève. On va essayer de prendre un peu de poisson. Avec les orages de la nuit, l'eau est montée très fort, très vite, et elle est extrêmement boueuse. Donc normalement de bonnes conditions pour prendre du poisson, on va essayer. Oui, ok. Normal. Pêche vente, ça. Un petit pêche vente. Oh, oh, ton petit barbeau. Un tout jeune barbeau. Et il fait quoi, 20 cm? Voilà, voilà. Allez, on le remet vite à l'eau, hein. Le futur de la rivière. Forbes, le barbeau qui était à mesure à 30 cm. Ah oui. Et j'ai vendu le plus gros de 77. Non, 72. Grand, je t'en plus loin. Pas plus gros. Blanc et rouge. Ah ouais, c'est un fameux, hein, celui-là. Qu'est-ce qu'il est devenu, non? Ça veut dire fini, ouais. Tu l'enlèves là. Il risque de faire un infarctus. Voilà le premier. Un joli bateau. Les couleurs un peu pâles, forcément, nouveau à cause de la couleur de l'eau qui est très très boueuse. Voilà. On va le remettre à l'eau. On va essayer d'en prendre un autre. Hein. Ils sont épuisés. Et il avait un collier. Oh, cassé. Il avait un collier avec un numéro de téléphone. Ça. Et un téléphone. Ça alors. C'est une bonne eau, hein, pour le barbeau. Ah, elle est belle, ah ouais. Hein. Elle n'est pas trop piquée. Non. Elle est vraiment belle pour le barbeau. Hop là. C'est buté, en tout cas étonnant, il y a des crasses. Là, je pêche avec un fileur de 90 grammes. Magnifique barbeau. Il fait environ 71 cm. 71 cm. Comment je sais ça? Parce que mon matelas a des plis qui font 20 cm. Donc je le dépose sur mon matelas. Je vois à peu près à 1 ou 2 cm près sa longueur. Il est magnifique, n'est-ce pas? Allez, on retourne à l'eau. Voilà, avec quoi je pêche, un feeder de 90 grammes, un badling de 1 mètre de long, pelet halibut 15 mm sur cheveux, hameçon numéro 10 sans ardillon, et
le bas de ligne fait du 25 centièmes, 24 ou 25 centièmes. Il faudra que je vérifie ça. Voilà. C'est mon montage aujourd'hui. Je pense que c'est le montage qui fonctionne bien avec le courant qu'on a aujourd'hui. Un tout beau barbeau, environ 70 cm. Voilà.
Je vois encore un peu plus petit, mais même joli barbeau. Petite soixantaine de centimètres. Voilà encore un septante, un magnifique barbeau. Et il commence à avoir de belles couleurs. L'eau est en train de s'éclaircir et le barbeau aussi, on dirait. Magnifique, hein? Voilà, en fait, maintenant ça fait 2h30 que je pêche. L'eau est en train vraiment de descendre et elle s'éclaircit. Elle est descendue certainement de un petit 10 cm depuis que je pêche. Donc la crue de l'orage est déjà en train de passer, quoi. Mais les poissons sont quand même là, actifs. Cinquième poisson, cinquième beau barbeau plus le petit. Décroché. Je pensais vraiment qu'il était piqué là pour être parti comme ça.
Et voilà. Ça, je n'avais jamais pris ici. Une belle brème. 1,5 kg. Oh, un magnifique. Je pense qu'il fait 75 ou 76 cm. Je vais le mesurer et le peser parce que celui-là, c'est vraiment un beau spécimen. Hein. Allez, je le remets à l'eau 5 minutes, puis je le peserai. Je vous dirai quoi après. kg 330. Je viens de le mesurer, 73,5. Je l'aurais cru un petit peu plus long. Peut-être 2 cm de plus. Mais bon, c'est trompeur avec. Voilà, c'est une approximation avec le matelas. Non, ça n'empêche que c'est vraiment très beau. Voilà les amigos, la session de pêche se termine. J'ai fait quand même quelques barbous aujourd'hui, plus une brème. Donc je pense que c'était surtout le fait que je sois au bon endroit, au bon moment. Et voilà, donc j'ai fait une très belle partie de pêche. J'espère que d'ailleurs cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère vous retrouver comme d'habitude avec moi au bord de l'eau, que ce soit sur l'Ourthe, l'Orblève, la Vesre ou une autre rivière. À ne jamais faire ça. Vous avez vu en direct, hein? Voilà le barbeau qui m'a entraîné tout le matériel à l'eau. Voilà, de toute façon, maintenant, j'ai terminé la session de pêche puisque j'ai quand même plus d'amorce. Voilà les amigos, la session de pêche est terminée. J'ai plus d'amorce de toute façon. Cette session de pêche a été excellente. Comme je le disais, c'est le fait d'être au bon endroit au bon moment. Ben voilà, et le poisson a suivi. Voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine fois.
Bye.